Bonjour, alors nous sommes le 12 décembre et voici notre géranium qui va tout simplement être amené à disparaître durant l'hiver. Donc pour l'instant, voilà l'aspect de cette plante. Là, ce qu'on peut faire, il n'y a pas besoin de la tailler, ce n'est pas une espèce qui a besoin d'être taillée, tout simplement d'être rafraîchie. C'est-à-dire que, voilà, si je tire un peu dessus, il y a déjà, donc, vous voyez, toute une partie comme ça qui s'en va. Bon, le reste, si ça ne part pas maintenant, eh bien on laisse faire la nature. À la fin de l'hiver, tout viendra. Ça veut dire qu'on n'aura quasiment plus rien d'apparent. Mais au printemps, donc la magie du printemps fera son affaire puisque la plante renaîtra et refleurira à nouveau. Ouais, je vous dis à bientôt. Alors nous sommes le 1er août et voici notre géranium qui pour l'instant n'est pas tellement fleuri je trouve. Mais il y a quand même des petits boutons là qui se reforment. Donc je pense que là, cette plante là, d'ici 15 jours, 3 semaines, on devrait à nouveau avoir pas mal de fleurs. Voilà. Rien de plus à lui faire. Ah oui, vous voyez, il y a des petits boutons qui commencent à se former, à apparaître là. Ça va nous donner quelque chose de bien encore. Alors nous sommes le 12 octobre. Nos géraniums font encore quelques fleurs, mais ce sont vraiment les toutes dernières. On ne fait rien de spécial. On laisse le temps passer. L'hiver va venir, tout va dépérir. Et c'est pas inquiétant, puisque ça sera vraiment naturel. Donc on laissera tout ça donc mourir. Et à la fin de l'hiver, eh bien, on se reverra pour vous montrer qu'il suffira simplement de retailler et que tout redémarrera. Voilà, donc rien à faire de spécial pour l'instant.